Nomadic Labs est une société de recherche et développement en logiciel distribué, décentralisé et formellement prouvé. Une des missions principales de Nomadic Labs aujourd'hui est de fournir à l'humanité une implémentation du protocole Tezos open source. Alors aujourd'hui, à Nomadic Labs, on trouve 35 permanents. Et parmi toutes ces personnes, il y a 22 docteurs en informatique d'université française. Ça fait une équipe absolument riche, absolument compétente, et on a besoin de tous ces savoir-faire et de toutes ces compétences et de tous ces talents parce que les technologies blockchain sont toujours au niveau de la recherche. Alors dans le monde des blockchains, on a l'habitude de le séparer en trois époques. En blockchain 1.0, donc c'est l'époque de bitcoins qui arrive il y a une dizaine d'années. On a une deuxième génération de blockchain qui a été exemplifiée par Ethereum. Et puis, Tezos fournit une troisième génération de blockchain dans laquelle les notions de sécurité dans les logiciels est très très importante. La notion de preuve d'enjeu pour les consensus prennent le dessus et également un mécanisme interne qui permet de modifier le protocole, le cas échéant, quand on a de meilleures idées. On utilise donc des produits qui ont été développés dans la recherche française depuis 20 ans. Et on sait que les outils qu'on doit utiliser dans les 5 prochaines années, en fait, seront aussi issus de la recherche. Et on garde un rapport très très étroit avec la recherche française. Une autre mission de Nomadic Labs est de former les formateurs. Et donc on a toute une séquence de formation qui s'adresse à la fois aux ingénieurs confirmés des SS2I et surtout aux gens qui veulent à leur tour former d'autres ingénieurs. Le but c'est de faire en sorte qu'il y ait un écosystème sain qui se développe autour de Tezos. Il faut les bootstrapper quoi. Il faut leur donner les moyens d'aller sur la scène rapidement et pour ça c'est bien qu'ils soient en contact avec les développeurs du cœur de Tezos, c'est-à-dire Nomadic Labs entre autres.